C'est côté où m'a cherché défense. Mais samedi, mon Dieu, grand maître, moi, c'est où même, seul bien moins gagnant. Bon Dieu, c'est héritage, moi. Frère Maxime, yo, ensemble, internautes, nous, yo, téléspectateurs, téléspectatrices, nous comptons rentrer la caillou pour nous capables de présenter une émission Parola. Qui s'est yonti causé sous la vie Saint Yo. Jeudi a c'est 27 décembre. L'Église a célébré une grande fête. C'est la fête de Saint Jean, apôtre et évangéliste. Donc, on va regarder ensemble, bien que nous connaissons qui est Saint Jean Théier, mais en profondeur, pour qui ça que l'Église a présenté nous comme modèle pour nous capables de suivre. Et qui ça que l'équité comme héritage pour nous dans l'Église Jésus-Christ. Alors, on dit que Saint Jean, l'Église a célébré le 27 décembre, il était parmi les premiers appelés du Christ, parmi les premiers disciples de Jésus. À côté de Simon-Pierre et son frère André, il y avait également Jean et son frère Jacques. Alors, on dit Jacques, c'est Jacques le majeur, parce que nous connaissons dans le groupe 12 ans, il y avait Jacques le mineur et Jacques majeur. Donc, il était frère Jacques le majeur. Même j'avais avec André et puis Pierre, qui étaient laissés filer, qui étaient papa, pour être capable de suivre Jésus, mais c'est le même pour Jean. Jean avec frère Jacques, il était quitté toute bagaille. Il était quitté filer également, puisque deux professions, c'est des pêcheurs. Donc, il était quitté toute bagaille nette pour être capable de suivre Jésus, pour être capable de marcher derrière Jésus. Alors, Saint Jean, lui, fait partie du premier groupe 12 saillants. Lui était parmi les disciples, je dirais, intimes du Christ. Puisqu'il était à côté de Jean et Jacques, alors Pierre et Jacques, il était parmi les disciples, côté que les Jésus a fait un série de miracles. C'est eux-mêmes qui étaient là avec Jésus. C'est eux qui étaient témoins. Donc, ces trois, par exemple, Pierre, Jacques et Jean, ils étaient toujours ensemble dans un genre de miracle. Ça, on a rappelé un épisode qui parlait de la résurrection de la fille de Jaïr. Il y avait Pierre, Jean et Jacques. Donc, Jean était là. Là, par exemple, au moment de la transfiguration du Christ, il y avait Jean, Pierre et Jacques. Et sous mot Olivier, guérison Belmé Pierre, donc Jean était là, donc dans plusieurs et miracles que Jésus a réalisé, mais de façon vraiment intime, il était toujours là avec Jésus, quand même dit plus proche de Jésus. Jean nous dit à lui, l'essayant évangéliste, gagné quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et dernier c'est Jean. Et Jean il écrit 5 livres. L'Évangile selon Saint Jean. Il écrit 3 lettres. Jean 1, Jean 2, Jean 3. Et puis il écrit le livre Apocalypse. Que pendant qu'il était sur l'île Patmos en exil. Donc il était écrit un livre Apocalypse pour dire que son grande vision que lui était recevoir. Il était fait, il était réalisé. Il devait le mettre par écrit. Une vision que lui était réalisée sur l'île Patmos. Yore le sa, 5 écrits sa yo, corpus joanique. Donc c'est comme ça, dans le thème théologique, yore le corpus tout écrit que Saint Jean il écrit. Hein. Saint Jean, yore le li, alors Jésus, te ba yo, yon ti surnom, fils du tonnerre, ou bien Boanerges. Donc c'est comme ça, Jésus te rele yo. N'abson j'ai également que, maman Jean et Jacques, te allé côté Jésus, te allé intercédé beaucoup de Jésus pour yo, pour te dire Jésus, il était content pour le tabac de place. Une à gauche, une à droite. Et nous connaissons, donc ça a fait un paquet, un gros tumulte avec reste groupe là qui était ouais que maman t'a demandé une belle place là pour disciples. Et Jésus t'a continué, éduqué, formé maman Jean pour dire mais qu'est-ce qu'il a demandé. Donc il est capable de participer dans le couple là, mais quand tu as acheté à gauche ou bien à droite, ça pas revient à même, ça revient à papa.
Donc tout ça pour me dire non, donc Jean, quand est que nous joignons dans l'évangile, dans la Bible, hein? Alors Jean a été un disciple, un parmi les 12 disciples du Christ. Et dans l'évangile selon Saint Jean, il est écrit que Jean est le disciple que Jésus aimait, peut-être ou probablement le plus jeune, oui. Et dans toutes 12 ans, c'est Jean qui pat mourir martyr, qui fait que je dis à ce n'est pas célébré Jean, Saint Jean, l'évangéliste, donc on a mis blanc. Parce que tout 11 jours, tu es mort martyr, mais c'est sauf Jean qui va te mourir martyr. Après, Jésus fin allé. Disciples rentrés dans la mission. Jean était Palestine. Après, il t'a pris courir contre une persécution pour te ramener à Éphèse. Les traditions rapportaient qu'il a accompagné la mère du Christ. Et Jésus, il n'a pas songé tout. C'est le seul disciple qui était au pied de la croix et que Jésus a dit maman, mes petites, petites, mes maman. Donc, on va comprendre que les traditions vont comprendre. Eh bien, Jean t'a accompagné, maman Jésus, à Éphèse. Donc, il était là avec lui. Donc, tout côté, il était passé. Marie était là. Donc, il était là avec la Vierge Marie. Saint Jean, tu as réalisé un pile miracle. Vraiment un pile miracle, surtout à Éphèse. Et parmi les gens qui ont raconté sur Saint Jean, dans le miracle qu'il a réalisé, il dit que Saint Jean était contraint pour te boire un poison. Voilà que. Les points poison en hein, Paris-Ville. Et puis il y a deux monde qui seulement goûté dans quelques secondes, deux monde ça va mourir. Et Saint Jean t'a pral ressuscité, il t'a pral levé. Donc c'est ça que l'histoire lui rapporté. Mais il dit que Saint Jean t'a réalisé un paquet, vraiment un paquet miracle. Jusqu'à ce qu'il t'a pral courir encore contre une persécution, il t'a pral exilé sur l'île Patmos et c'est là qu'il t'a pral écrit Apocalypse. Qui vient faire que après ça les empereurs qui étaient voués en exil la fin de mourir donc l'autre Nerva qui te permet que tu es capable de retourner à Éphèse et c'est à Éphèse il t'a pral ordonné plusieurs moun jak il t'a pral ordonné plusieurs clercs etc il t'a pral continuer ministère li et c'est là tout il t'a pral mourir ben je dirais tranquillement puisque il pas mourir martyr et qui fait que je dis capable porter couleur blanc donc c'est la vie. Saint Jean, un homme zélé, un homme qui était en sensibilité pour Jésus. Et d'ailleurs, nous dit bien, il était metté tête sous épaule Christ là. C'est une belle image gagné pour montrer intimité Saint Jean avec Christ là, avec Jésus. Et Jésus donc te remet bien, le fait peut-être parce qu'il était plus jeune, mais même il te remet tout disciple, mais Saint Jean il était gagné un amour particulier pour Jésus et il est resté fidèle avec le Christ, même au pied de la croix. Même au pied de la croix, puisque c'est lui qui a été là. Et c'est à lui que le Christ a remis sa mère. Maman qui était vraiment précieuse. Et c'est avec elle. Et depuis Léa, je viens de dire dans l'église, là, Marie prend nous-mêmes comme petite lit. Les bonnes, Marie prend, Marie embrasse l'église. Donc, elle accueille nous. Je viens d'accueillir Jean pour dire que c'est maman, nous, maman chrétienne. Jean est représenté par un aigle. Même Jean, tout évangéliste, il y a un animal, il y a un bagage qui représente. Mais pour Jean, c'est l'aigle. Saint Jean n'a pas une année propre avec lui. Matthieu a une année A, Marc B, Luc C. Mais Saint Jean n'a pas une année dans l'année liturgique qui est propre avec lui. Il intervient dans toute année, ça y est. Il y a un moment fort, surtout dans un moment. Dans la passion, etc., dans notre temps fort dans l'église, là, donc on lit l'évangile selon Saint Jean. Alors, frères, monsieur, nos amis internautes, nos téléspectateurs, téléspectatrices, c'est la vie Saint Jean. Donc, nous disons Dieu merci pour peut-être que tu as choisi Saint Jean et avec lui, donc nous apprenons plus de bagailles, nous remets Jésus plus et nous prenons bien terminer justement avec la prière que l'église a retenue dans l'occasion ça, pour Saint Jean. Dieu qui a dévoilé pour nous les mystères de ton Verbe, grâce à ton apôtre Saint Jean, rends-nous capables de comprendre et d'aimer les merveilles qu'il nous a fait connaître. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles.
C'est côté où m'a cherché défense. Mais samedi, mon Dieu, grand maître, moi, c'est où même, seul bien moins gagnant. Bon Dieu, c'est héritage moins.